Alors, comment on clique déjà? Hop. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi soir, il est 21 h. On est à l'heure, incroyable. Nous sommes le 28 juillet. 6 admin day. J'ai appris ça. Alors, je m'en suis rendu compte, genre, il y a 3 heures, un truc comme ça, donc. Donc j'espère que vous avez, pour les 6 admins qui sont présents, que vous avez réussi à fêter ça plus ou moins comme il se doit. Coucou Jirfi. Alors, je connais tellement bien l'interface de Twitch que je ne sais même pas comment on voit la liste des gens qui sont sur le chat en ce moment. Enfin bon. C'est pas grave, vous êtes tous le bienvenu de toute façon, connectés ou pas. Ah, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir un peu sur la fin de ce qu'il y a eu la semaine dernière, c'est-à-dire la remise à plat du cluster Kubernetes avec 4OS, qui avait eu cruellement besoin d'amour après plusieurs mois, années. Ouais, sans réelle maintenance. Oui, parce que les machines, les Raspi avaient 420 jours d'uptime. On a eu des choses qui se sont passées bizarrement, genre un nœud qui a décidé de pas redémarrer après avoir fait ses mises à jour. Pour la bonne raison qu'il s'était éteint. J'ai pas compris pourquoi. On avait bien tapé reboot hein, comme commande, mais il avait décidé de s'éteindre. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Et le plus gros problème qu'on avait eu à ce moment-là, c'était le fait que je n'arrivais pas à brancher le NAT de la Livebox sur les load balancers configurés par MetalLB. Parce que la Livebox est trop bête, tout simplement. Et que du coup, il a fallu. Bon, honnêtement, au départ, j'avais dit que je le ferais le week-end. À part ramasser le deuxième, à part récupérer le deuxième nœud le week-end dernier, j'ai pas fait grand-chose. Et là, je me suis repenché dessus hier. Après avoir tenté plusieurs choses, j'ai fini par abandonner. Et même ça a été compliqué. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu désinstaller MetalLB pour revenir sur le mode par défaut qui se base sur Clipper. Ça a été, comment dire? En gros, il voulait pas me supprimer le service sur lequel il y avait l'adresse IP en question. Même après la désinstallation de MetalLB, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il me disait qu'il supprimait et il ne supprimait pas. J'ai réussi à m'en sortir en faisant un edit du service. Et en faisant un double fusil finalizer plus status, et là il a fini par s'en aller. Pierre-Marie m'avait suggéré une chose qui était de. Alors, tester de créer une machine virtuelle où j'affectais l'adresse IP, je configurais le NAT théoriquement sur cette adresse IP, du coup, malgré tout. Et après, je supprimais la machine virtuelle pour redéployer le load balancer avec l'adresse IP en question. Et là, le poil géant dans la main est revenu très vite. Et au fait, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire, ça m'a cassé les burnes. Et du coup, j'ai réactivé c'est service LB, donc l'option au démarrage du service. Et après ça, j'ai réinstallé mon trafic. J'ai revu un petit peu la configuration parce que j'avais été un petit peu trop vite. Le Let's Encrypt n'était pas fonctionnel. Et j'ai même encore eu d'autres soucis après. C'est-à-dire que, par exemple, alors ça, on va le régler là ce soir parce que le sujet est particulier. Mais le endpoint pour le NAS ne fonctionne plus. Je me prends un gateway timeout. Et le fresh RSS n'arrivait plus à contacter le MariaDB.
Ça, c'était un peu étrange. Il a fallu que je redémarre le pod MariaDB. En fait, que je le change, hein, tout simplement, que je le remplace, pour qu'il chope une nouvelle IP pour que ça fonctionne. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai pas insisté, voilà, ça a marché. Je soupçonne que ça peut être plus ou moins en lien avec le fait qu'on a récupéré le deuxième nœud après. J'ai pas creusé plus que ça a marché, donc voilà. De toute façon, ce soir, on va recasser les choses quand on va expérimenter les network policy pour montrer un peu comment ça marche. Donc, j'ai récupéré mon lecteur de flux RSS, j'ai récupéré mon serveur Git. Voilà. Il y a des choses que j'ai pas encore, je me suis pas. Cassons des choses. Alors, le but, c'est de les casser à moitié pour les récupérer. Hein. C'est pas non plus. C'est pour montrer comment ça fonctionne. Surtout que là, l'idée c'est de recouper l'accès à la base de données pour réouvrir que pour les applications qui sont autorisées à se connecter dessus, dont mon lecteur de flux RSS, j'ai pas envie de le reperdre pendant une semaine, parce que déjà quand le truc il est reparti, je l'ai rafraîchi, j'avais 600 flux à dépiler, c'était infernal. Plus je sais plus combien au niveau des vidéos YouTube, des abonnements YouTube, non, c'était juste pas possible. Comment? Donc voilà, et puis après ben, on pourra discuter vite fait. On va déjà faire ça, on va essayer. Alors deux choses, je voudrais tenter de réparer le endpoint pour le NAS, histoire de pouvoir y accéder à distance. Et puis après on fera une petite démonstration des network policies. Assez simple, je vais pas non plus trop pousser la configuration, puisque là, pour le futur, après, quand je vais vraiment vouloir taper dedans. Ce sera vraiment sur des trucs un peu plus dédiés pour quand je déploierai des choses un peu plus complexes, mais là en l'occurrence, on n'a pas grand-chose à voir. Genre typiquement, parce que je suis un bourrin, je tenterais bien de déployer un peertube dans Kubernetes. Par exemple. Après tout, Nidouille récemment a fait la démonstration sur de l'installation sur une machine virtuelle classique. Pourquoi pas montrer comment ça se passe dans Kubernetes? Ça risque d'être particulièrement difficile parce que les Raspis, c'est pas non plus des brutes de puissance. Mais bon, on va voir un peu ce que ça. On pourra voir ce que ça donne. Du coup. Alors, j'ai absolument rien préparé. On va. Comment on va faire? On va faire. Allez, passons au desktop. Ouais, c'est ça. Clac. Transition. Alors, coucou. Bonsoir, Or. Du coup, j'en suis où? Oui, alors, ça, on zoome. Ça, on a dit aussi le navigateur. J'ai tendance à. Pareil, je ne l'ai pas fait avant. J'étais un peu. Zoom, l'idée, c'est que je vous passe tout le navigateur à 130% par défaut. Comme ça, c'est plus facile à voir pour vous. Ensuite, moi, je suis là. Donc, l'idée, c'est qu'actuellement, si je tente d'accéder au domaine de mon NAS. Ça mouline et on va voir à un moment donné que c'est le sysadmin day aujourd'hui, tout à fait. J'ai découvert ça, il était 18h30. C'est voilà quoi. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je fasse comme ça, évidemment, c'est toujours mieux. Ça marche, ça ou pas? Bon, ça change rien. Ah, quoique. Oh oui, bah du coup, ce soir, pizza. Pour spécialement prévu de commander quelque chose particulièrement, mais voilà, c'était au final. Au-delà de la légère flemme habituelle de me faire à manger, surtout quand j'arrive en week-end, la commande de pizza, c'était pas mal. Alors, explication. Donc voilà, on a le gateway timeout qui est là, qui est à 100% d'ailleurs, allez savoir pourquoi. Parce qu'il n'arrive pas, voilà, il n'arrive pas à trouver son point de terminaison.
Donc on voit, il y a 670 jours, donc à l'époque on était en Kubernetes 1.20 et quelque chose, donc c'était même avant le 1.21, pour pouvoir accéder à l'interface de mon NAS en passant à travers de Traefik, sachant que bah forcément l'interface du NAS elle n'est pas à l'intérieur du cluster, il fallait une configuration un petit peu particulière. À l'époque, il suffisait de créer un endpoint qui indiquait l'adresse IP et le port. Et derrière, on créait un service où je tapais sur le port en question, enfin j'indiquais le port en question, mais contrairement à un service classique de Kubernetes où on utilise un sélecteur pour aller cibler une application derrière, on ne met pas de sélecteur. Donc ça marchait. Jusqu'à maintenant, ça marchait bien. Là, ça ne fonctionne plus et j'ai découvert dans la documentation qu'a priori, ça avait évolué avec les versions plus récentes de Kubernetes. Et que il fallait passer, voilà, par un endpoint slice plutôt que endpoint tout court. Mais enfin, en tout cas, c'est a priori ce qui était plutôt. En tout cas, il me semblait avoir lu que c'était plutôt à préférer. C'était notamment dans la documentation sur les services. Je reviens là-dessus. Voilà. Et donc là, ça parle de service sans sélecteur. Et donc ça dit d'utiliser des endpoint slices object, voilà, pour aller taper des services qui sont en dehors du cluster. Donc là, on va tester de remplacer ça. Et ben alors, la bonne question, c'est qu'a priori, ça se fait au niveau du port. Ça se fait au niveau du. Comment il fait la relation avec le endpoint? A priori, c'est via le port. J'avouerais que la première fois, quand je l'ai mis en place, pareil, c'était un peu. Ta gueule, c'est magique. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais du coup, comme ça marchait, j'ai pas trop creusé. Puis finalement, bah, comme ça marche plus non plus, bah, je suis bon pour. Voilà, je suis bon pour refaire un morceau. Donc on voit que a priori il faut créer un endpoint slice qui est un petit peu plus évolué que le endpoint d'origine. Honnêtement, alors évidemment, c'est avec un S. Et au final, c'est plus ou moins. Alors, si je retourne. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, ça, je ne l'ai pas fait. Ça, par contre, hop, j'ai fait des trucs sur le portable ce matin. Ah non, c'est bon, j'avais déjà resynchronisé. Ok. Et donc, si je vais dans le dossier NAS, j'avais mon service, mon namespace, mon endpoint et mon ingress route. Mais tant que le service et le endpoint ne matchent pas comme il faut, au niveau de l'ingress route, ça peut pas marcher comme il faut. Ah oui, tiens, chose que je n'avais pas indiquée dans mes ingress routes. Bon, au-delà du fait que les ports ont changé, parce que comme j'ai revu la configuration, les entry points ont changé de nom. Ça, c'était classique. J'ai buté sur les manifestes parce que depuis, moi j'avais un P minuscule qui était là et depuis c'est passé à un P majuscule. Donc quand j'appliquais, évidemment, c'est très rigolo, j'ai eu le droit à une jolie erreur. J'ai buté dessus pendant 5 minutes parce que j'étais tellement concentré vu que je regardais un film à côté, mais. Enfin voilà. Le temps d'en parler à quelqu'un, notamment sur Telegram. Où Jerfy m'a mis un petit peu sur la voie.
Ah, mais il y a Adrien aussi, coucou. Du coup, j'avais pas vu. Coucou. Donc oui, Jerfy m'a un peu servi de canard en plastique, histoire que je me rende compte que je ne savais plus lire. Et donc j'ai corrigé ça. Mais on en reste quand même au même problème, c'est-à-dire que j'essaye de taper le port, le NAS sur le port 8000, que mon service, c'est le port 8000 et il cible le port 8000. Et donc là, on voit que par rapport à la documentation, ça ne change pas. On est au bon niveau. Et donc, et bah, ça va être a priori le endpoint qu'on va sulfater pour dire qu'on va le remplacer par... par un endpoint slice, parce qu'a priori, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Du coup... Oui, oh bah là, de toute façon, c'est sur un élément où c'est vraiment une fois que je suis pas chez moi où j'ai besoin d'accéder au NAS à l'extérieur, c'est pas honnêtement. Mais là, bon, je t'adore, mais il y a peu de chances que t'aies la solution réellement. Après, j'ai eu des surprises avec des gens qui étaient pourtant pas très techniques, mais il suffit d'avoir un semblant de logique et même quand on n'en sait pas trop, on peut avoir une bonne idée. Et nous mettre sur la voie. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le flemmard et que je copie-colle tout? Ou est-ce que je tape un peu moi-même? Allez, on va taper un peu soi-même. Et du coup, on va faire... Hop. Un nouveau fichier. On va quand même se mettre en mode paste au cas où. Ah bah voilà, comme quoi, ça arrive. Ça devait être du Python, non? Parce qu'à mon avis, il doit pas y non plus y avoir 50 langages que tu puisses savoir lire un petit peu. Alors, si ça déborde, ça va m'emmerder. Alors, on peut réduire un peu la fenêtre. Hop, voilà. Point slice. Hop, ensuite metadata. Alors non. Hop. Name, du coup, on l'appelle NAS. Le namespace, parce que là, dans le cas précis, comment? Ah, mais c'est peut-être ça en fait, c'est que je n'ai pas le label sur le endpoint qui correspond au. Oh, bon. On va faire les trucs qui sont à jour. C'était du Markdown avec du Mermaid. Ah! Mermaid, c'est sympathique ça. Je sais pas s'il y en a du. Oui, bah oui, les points virgules. Ça, il y en a pas mal. Et du coup, alors, on en était où? Oui, alors. J'en étais à taper les labels. Le point virgule, bah ça. Le pire, c'est quand on passe plusieurs heures. Enfin, je me suis déjà fait avoir. C'était au moment où je commençais à faire du Python. Et à l'époque, je faisais beaucoup de PHP parce que je travaillais beaucoup sur ma collection de bases de données. Comment? De Blu-ray, merci. Et comment que j'ai fait en PHP et MySQL. Et du coup, là, la petite erreur. Et du coup, quand je passais sur du Python, j'avais tendance à foutre des points virgules un peu partout. Combien de temps sur ton code avant que j'arrive? Oula. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, j'en étais où, j'en ai... Address type. Oui, bon, IPv4, je suis pas sûr que j'ai besoin de le mettre celui-là de manière explicite parce que bon. Alors, deux points, les ports.
Ok, d'accord, manifestement, faut pas mettre de nom sur le port. On va pas mettre de nom sur le port, c'est pas très grave. Alors. Hop, protocole. C'est du HTTP. HTTP, HTTPS. HTTP, le endpoint. Le protocole, c'est du TCP, du coup. Le port, c'est du 8000. Et ensuite, il faut définir les endpoints. Mais en fait, les endpoints, il n'y en aura qu'un de toute façon. Addresses. Et donc là, c'est 192, 168, hein. 200. Donc on voit que c'est quand même un peu plus verbeux que ce qu'on avait avant. Mais ça définit beaucoup plus de choses de manière explicite. Et donc ça, normalement, ça devrait passer. Hop. On va voir ce qu'il dit. Rien parce que j'ai des gros doigts. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il manque adresse type. Donc, j'ai fait une faute de frappe quelque part. Oui, il n'y a qu'un seul dé. Bravo. Hop. Ensuite. Bon, ça va. C'était la seule chose. Du coup. On a notre service NAS qui pointe sur le port 8000. Hop, 100. Ok, et... D'accord, donc apparemment la logique c'est que le service, lui, essaye automatiquement de chercher de soit de créer le endpoint correspondant quand il y a un sélecteur, soit quand il n'y en a pas. Il faut qu'on le crée manuellement et si ça matche le port, a priori, il va automatiquement brancher les deux. Donc voilà, t'as plus ou moins ta réponse, Jérémy, sur le truc. Mais du coup, est-ce qu'il recrée un endpoint automatiquement à partir du slices ou... Alors, merde. Ouais, non, d'accord, il reste sur le slice. Ok. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah! Oui, ça va changer quelque chose. Ça ne marche toujours pas, mais cette fois, j'ai une 404 not found, donc ça n'a pas grand-chose. Mais pourquoi? J'ai laissé l'ingress route déjà en place. Je l'avais. Ah oui, elle est là. Ok. Du coup, j'avais mis quoi dans la définition de l'ingress route? Donc j'ai dit bien, je tape sur le service NAS port 8000. Ok. Alors, du coup, on va revenir encore sur cette histoire de... Non. Ah, ouf. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu un gros freeze. J'ai cru que je vous avais perdu. Hop. Ouais, j'irai pas jusque là. Bon.
Donc on a suivi les docs et ça marche pas. Alors. Ok. Donc j'ai linké le label avec le. Ça n'a pas fonctionné. Ah. Ah, ah, ah. Oui, non, on est d'accord, hein, il veut vraiment pas. Bon. La documentation nous dit bien de linker avec le service name, on est d'accord, hein, j'ai pas fait trop de frappe, encore une fois. Non, on est bon, il s'appelle bien NAS. Oh, mais quand je disais perdu, c'est le plantage comme la semaine dernière. Le truc a craqué au bout d'une heure. Alors que je suis capable de jouer des heures d'affilée sans que ça gaufre. Mais ça, c'est pas très grave. Ok. External name service is a special case of service that does not have selector and uses DNS names instead. Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, a priori, on a bien fait tout ce qu'il fallait, mais ça ne veut pas cuire. Ouais, pourtant, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Si je fais un. Ah, j'ai pas l'autocomplétion pour kubectl. Ok, il n'y a pas de condition, on est d'accord, le label il est là. Le namespace il est bon, le protocole il est bon. Le nom il est bon, le port il est bon, le protocole il est bon. Si je fais un describe, il va me dire quoi? Hop, on va faire le flemmard. Ouf, d'accord. Oui, donc ça c'est normal. Il n'y a pas d'annotation. Il y a un label qui est bon. Tu penses que le protocole pourrait faire chier? Ok, bon, on va voir. On va faire ça. Oh, c'est pas le même format qu'avant, si. Ah, si. Je regarde dans le cas où je verrai quelque chose de différent, mais.
On n'a pas d'event. Au niveau du service, il dit quoi? Il dit pas d'event non plus. Après, s'il faut pas que je délète le service pour le recréer, histoire qu'ils puissent voir. Tu penses qu'il faudrait nommer le port parce que lui 8000 il considérerait que c'est quelque chose? Je sais pas s'il y a un truc comme ça. Alors on a manifestement enregistré et si on cherche 8000. 8000 est pas référencé, hein, j'ai pas. Ah oui, non, mais il y a 145 pages. Ah putain, ils sont sérieux. Oh la vache. Vas-y, c'est bon. On va y aller bourrin. Oui, d'accord, ok. Hop, ah, trop loin. Alors, le fait est que si le port 8000, il a quand même un nom, c'est vrai qu'on peut quand même le tenter, mais normalement... Ils ont pas un truc un peu plus pratique pour chercher là quand même. Alors, 8000 tourons, hier DMI, ok. Ok, bon, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Oula. Bah, pas mieux hein, pour l'instant. Hein. Si je. Hop là. What? Le pire, c'est qu'il me génère bien le certificat, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tréfi qui fait son boulot. Mais je sais pas pourquoi, il veut pas me. Oui, aussi, oui. Mais c'est mieux quand on peut éviter de se servir de Google au départ. Ce serait bien. Alors. Ça va pas être pratique, cette histoire. Ou alors, je repars avec le endpoint plutôt qu'un endpoint slice. Directement. Ouais, scaling to large number of network endpoints. Ouais. En fait, j'ai qu'un seul point, donc le slice, c'est vraiment... Tu penses que j'aurais un délire entre l'ingress route et le service? C'est quoi? C'est comme ça? Je me souviens plus. On va le faire comme ça, hein, à l'ancienne. Hop. Ouais, mais là, il vise un pod. Je sais pas si je peux faire un port forward sur un service. Ah, si, service. Ok.
Porte forward. Ouais. SVC slash NAS. 8000, 2 points, 8000. On va voir ce qu'il nous dit. Ah ouais. Non, il veut pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le port forward, il va vraiment essayer d'aller se rattacher à un pod. Et en fait, quand on met le service, c'est un peu comme quand on lance une commande de log sur le deployment ou quelque chose comme ça, plutôt que directement sur le nom du pod qui lui change tout le temps. En fait, derrière, il va aller sélectionner le premier pod qui correspond au déploiement. Là, c'est la même chose quand on fait le port forward. Quand on sélectionne le NAS, il va essayer d'identifier le sélecteur et avec le sélecteur, il va aller essayer d'identifier le pod qu'il y a derrière. Sauf que là, il n'y a pas de sélecteur puisqu'on cherche à joindre un truc qui est à l'extérieur du cluster. Du coup, ça commence à être chiant, compliqué cette histoire. Plus compliqué que ce que je pensais. Je pensais que ça prendrait pas si longtemps que ça. Je vais resulfater le endpoint slice au cas où pour voir. Je vais sulfater le endpoint slice et je vais voir ce qu'il dit. Est-ce qu'au niveau du curl, on continue d'avoir une 404? Oui. Je suis en train de regarder un peu la gueule du. Alors, je vais le mettre en un petit peu plus grand. Surtout que c'est super bien formaté parce que chat Twitch. Alors, toi, t'as ça. J'imagine que ça va être comme ça. Ça va être un truc dans le genre, c'est ça? Alors, comment je l'avais Ouais, bah c'est la même en fait, hein. Subset, addresses, IP. Ah, moi les ports sont pas. Non, bah si, c'est comme ça que ça fonctionne, non? Je me suis peut-être. Si je reprends juste un endpoint. Où est-ce que ça parle de endpoint tout court? Endpoint. Endpoint. Ouais, non. Adresse et port, c'est au même niveau, d'accord. Donc c'est bien ça. Donc c'est bien une liste là. Et après, on a. Alors, j'ai pas nommé le port là. Dans le endpoint tout court, ça m'étonnerait que ce soit ça.
Ah voilà, vu qu'il n'y a qu'un seul port, on s'en bat les couilles, on n'est pas obligé de le mettre. Donc ouais, c'est exactement ce que j'ai, hein. C'est exactement ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai mon endpoint qui est là. Enfin, c'est ce que j'avais, en tout cas, mon endpoint est là. Avec le même nom, le port n'a pas besoin d'être nommé parce qu'il est tout seul. Et derrière, le service protocole port target port. Donc on est bien sur le même bail. Et du coup, je vais retenter d'appliquer le endpoint tout court. Normalement, j'ai plus rien qui traîne à part l'ingress route de base, oui, et le service, d'accord. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je sulfate le service? Si ça se trouve, lui, il a un problème et il n'arrive pas à. Je vais réappliquer le endpoint pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié. What? Il m'a créé le slice automatiquement avec le endpoint. Ok. Là, on revient au truc de base où en fait il veut pas contacter mon. Il veut pas contacter l'IP de mon NAS. Alors que mon NAS en local, lui. Je peux faire du HTTP en 8000, ça marche ça? Alors non, pas 800, 8000. Oui, ça marche. Bon, bah alors. Bon, je crois que c'est ça. Non, je vais y arriver. A priori, c'est ça. Ouais, bon, c'est qu'en fait, c'est plutôt dans l'autre sens, on verra bien. Il reste une seconde. 587, 300. Désolé pour le coup de main dans le micro. Un jour, je changerai un peu la tête du setup. Oui, je sais qu'il y a des disques durs qui commencent à râler, fais pas chier. Mais ça va. Donc le point est bien joignable. Alors par contre. Mot de passe 4321. Non, c'est un petit peu plus long. Dans ceux que je génère pas aléatoirement, ça va être un truc comme 11 ou 16 caractères, un peu de choses près. Un truc comme ça. 11 ou 16, 17 en fonction de ce que je fais. Plus ou moins. C'est aux alentours de ces eaux-là. Il y a. C'est. Mot de passe, les endpoint slice, ça me fait chier. Ah, j'avoue. Non, mais alors, par contre, est-ce que j'aurais pas un délire. Oula, ce qui m'a fait. Déjà, oui. Et si je fais ça, du coup.
Ouais, ça répond bien. Serveur LHS. Ok. Donc ça marche. Et du coup, si je me connecte au node, parce que j'ai eu la surprise aussi de voir ça. Ok, donc mes nœuds arrivent à contacter le... Alors là, ça me bute, hein. Alors si je fais un get... Ah, il faudrait que je fasse un... Alors non, run... Un truc comme ça. Ouais, très drôle. Oh là là, j'ai des gros doigts. Hop. Comme ça, tu penses? Ah non, l'IP du service, oui, pardon. L'IP du service, l'IP du service. Hop. Eh ben, ça marche. Donc ce serait entre Trafic et le service. Elle est où là? Problème dans la configuration de l'ingress route, ouais, je veux bien, mais je peux difficilement faire plus straightforward, hein. Et mes autres... parce que regarde, typiquement... Non, 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 non. Je tape bien quand je fais mon HTTPS de l'extérieur, je tape bien le port Web Secure, le port 443. Et de toute façon, j'ai les deux qui sont configurés. Les entry points, là, c'est des entry points qui concernent... Ouais, je sais, mais ça marche comme ça. Merde. Pour Gitti, j'ai pas eu le problème, tu vois. J'ai mis Gitti, lui il tape à l'intérieur du cluster. Je ne sais pas. Alors après, il tape aussi sur un service qui lui tape vers un pod. Est-ce que j'aurais pas un délire là-dessus où ça lui plairait pas de. Bah ouais, non, non, mais bah c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un petit peu surprenant en fait. Ou alors je suis un bourrin et je redémarre le pod de Trafic pour voir ce qui se passe. Je suis pas allé voir les logs d'ailleurs, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte? Après tout.
19h16. Oui, ça date un petit peu, ça. Hein. Oui, on est d'accord. Il me donne pas grand-chose hein, comme log, d'ailleurs. Ce serait peut-être intéressant que je me penche sur la configuration là-dessus dans le futur. Parce que là, je vois passer aucun trafic. Hein. Mais alors, du coup... Recréer l'ingress route. Ben, j'ai dû les recréer justement pour parce que quand j'ai désinstallé, j'ai supprimé aussi toutes les. Ah, recréer l'ingress route maintenant que. Maintenant que j'ai buté, recréer le endpoint peut-être? Ouais, je sais pas. Parce qu'elle n'existait plus au moment où j'ai refait le truc, donc c'est un peu... est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Oh, je vais rien avoir parce que ça va être du rootless, machin, etc. Je suis en Kubernetes 1.26, normalement j'équipe CTL debug là. Je peux faire un truc... Il y a une commande qui permet de faire un kubectl debug. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'arriverai. T'as toujours le dashboard Trafic pour voir si tu la trouves. Ouais, et pour le coup, le dashboard Trafic, il faut que je l'expose. Alors. Attends. Ouais, je l'ai peut-être pas. En fait, je l'ai vu que j'ai rien configuré par défaut. Je sais même pas si le. Je sais même pas dans quelle mesure il y a un port de configuré. Attends, off Prometheus port, ok, il est ouvert. Y a moyen, hein? Il y a moyen, il y a moyen. C'est 9000. Donc je peux faire un port forward sur le port 9000. Hop, port forward 9000 de points. 9000 pod slash pouf pouf tiret n trafic. Hop. Quoi? Oh, ça y est, je ne sais plus taper une commande, c'est ça? Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est mieux. Hop. What?
Non, manifestement, c'est pas le 8000, je me serais vautré. Ah, j'ai pas fait le gaffe, honnêtement. Bon, il a trouvé. Non, c'est pas mieux. Non, mais normalement, c'est indiqué dans le déploiement, plus ou moins, mais j'ai 9000, 9100 pour les métriques, et après c'est 8000 et 8443 qui sont les entry points. Et on a un entry point traffic qui lui est censé correspondre au dashboard. Je le vois là. Et il m'envoyait. Il m'envoyait. Alors attends, tout à l'heure, j'avais un truc avec le 127.0.0.1, 2 points. 9000 slash dashboard. Peut-être qu'il faut faire. D'accord, ok, bon bah voilà. C'était plus ou moins comme ça qu'il fallait faire. Alors. En HTTP, j'ai des services. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai le NAS. Mais il me dit que c'est un type load balance. Quoi? Status URL et il me dit que l'URL est bonne. Hein. Alors là, je comprends pas. Là, j'avoue que. Ah. Non, c'est juste que, en fait, c'est bien le port 9000, mais il faut lui passer le bon chemin derrière, sinon il répond pas. Alors là, on est sur de la magie noire. Hein. J'avoue que. Par contre, il nous parle d'un service load balancer, mais moi, c'est pas un service load balancer que j'ai. C'est un service cluster IP. Alors pourquoi lui il le voit en. Ou alors c'est le type de service qui est utilisé par Traffic lui-même. Je sais pas, c'est bizarre. Mais. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ouais, voilà, on voit que là c'est bien slash API ou slash dashboard. TCP, j'en ai pas. Les plugins, j'en ai pas. Le dark theme, est-ce qu'il vaut. Ouf, non, on va laisser en light theme. Hein. Autant je suis fan des thèmes sombres, là ils ont besoin de. Ouais, bah ouais, c'est le service trafic qui est en LB, jusque-là. Et là, il me claque pas d'erreur, mais par contre, quand j'essaye de faire un curl, ou de l'afficher via. Alors ça, c'est sur l'IP directement, mais celui-là, il veut pas le passer. Alors qu'il me dit que tout est bon et qu'il arrive bien à le taper. Et que derrière, quand on tape le service, on a bien la réponse du serveur web du NAS. Ah là, moi, ça me bute, hein. Ça me bute très fort. Et si ça se trouve, c'est évident, mais. Non, mais le pire, c'est qu'il voit l'URL qui est derrière et qu'il nous dit que l'URL est bonne. Hein. Enfin, en tout cas, pour lui, le statut, il est bon. Alors, soit le statut dit juste qu'il a une URL et que c'est tout ce qu'il a gardé comme information. Que derrière, il nous fait le TLS, mais j'avoue que. Ah, j'avoue que là, ça me.
Ouais, donc on la trouve ici, donc ça veut bien dire qu'au niveau des objets Kubernetes, en tout cas, on a bien l'information qui fait de bout en bout ce qu'il doit faire, c'est-à-dire du HTTP. Ouais. Détendons-nous. Alors que c'est pas du HTTPS. Alors ça, c'est peut-être un abus d'interprétation qu'il fait par rapport au fait que tu as mis 443 comme port. Puisque c'est celui qui est censé être utilisé pour HTTPS, il, par défaut, il... Je sais pas, ou alors il fait une espèce d'interprétation bizarre, auquel cas... Ce qui m'emmerde, c'est qu'ils mettent le status bon. Je voudrais revenir quand même. Ouais, j'étais parti pour me faire ce truc-là. Je voulais tenter un debug... Je voulais tenter un debug à partir de ce truc-là. Et là, j'ai encore eu un freeze. Est-ce que je suis revenu? Je me vois. Vous me voyez plus? Entend-on? Je suis revenu. J'ai encore eu un freeze, une espèce de micro-freeze du PC. Putain, ça me... Bon. Moi, c'est des micro-freezes, c'est mieux qu'un plantage complet qui me redémarre complètement le stream ou ce genre de choses. Du coup. Qu'est-ce que je vais. Alors. C'est quoi? C'est au niveau des pods qu'il faut faire le truc, c'est ça? Ouais. Alors, kubectl get pod, on va faire ça comme ça. kubectl debug-it. Image busy docs. Comment on fait? C'est quoi? Tiret... target égale alors pod test nas oh, d'accord Ah. Bon. Je tape en HTTPS, j'ai jamais fait gaffe. Ah, ça. Là, je peux pas t'aider derrière. Mais non, mais là, j'avoue que j'ai pas accès au kubectl debug sur K3S, sérieux? Ah. Non, si j'enlève ça, je fais quoi du coup? Ouais, non, j'ai la même erreur. Il me dit qu'il n'y a pas de ephemeral container, donc.
Montre ton manifeste du service, j'ai une idée. Alors, je vais virer ça. Dos segundos. Hop. Voilà. Ça, il arrête de me cracher dessus. Alors, tac, tac, on va faire ça comme ça. Voilà, là, il y a tout. On voit clair, parfait. On a les clusters IP. Tu penses à ça? Ouais, mais non, ça marche. Ça marche ce truc-là. J'ai bien le. De toute façon, on tape sur le service et ça renvoie bien sur le NAS. On a bien le truc. C'est ça qui m'emmerde. C'est vraiment quelque part entre. C'est du HTTP. C'est du HTTP. Non, j'ai bien vérifié. C'est du HTTP et le HTTPS est sur le port 8001. Mais on n'a pas de. Tu veux dire dans l'ingress route? Ah, tu penses que là, il faudrait que je rajoute un truc? Sous le port. Donc là, ce serait quoi? Protocole HTTP, c'est ça? Un truc comme ça? Ou Scheme HTTP? Un truc dans le genre? Ouais, oh, mais je prendrais pas un 504. Au mieux, je prendrais une erreur de protocole, je prendrais quelque chose qui serait direct. Non, c'est pareil. C'est la même. Non, mais j'ai édité, hein. Je l'ai édité. Oui, c'était un edit, désolé, oui, c'était pas la modification du fichier local. Alors, comme j'ai dit, le dernier truc que j'ai pas tenté de faire, c'est de carrément buter le pod pour le redémarrer. Sachant qu'hier soir, j'avais eu une sorte de délire comme ça où, en fait. J'avais un l'IP du pod. Je vais revenir là-dessus. En fait, là, j'ai tous mes pods qui sont. Enfin, les. Il y a des pods en 192, 192, 168, 23 et d'autres en 215. Et hier soir, quand mon.
mon fraîche RSS n'arrivait plus à contacter le comment le MariaDB. Le MariaDB avait encore une IP en 192.168.23. Mais là, je vois que le fraîche RSS, il en a une en 23, il n'a pas de problème, ça marche. Donc ça me bute un petit peu, cette histoire. Mais je serais bien tenté de fumer le comment de fumer le pot de trafic et voir ce qui se passe. Sachant que je suis déjà en 215, donc normalement on devrait pas y avoir de soucis, quoi. Ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, non, c'est bon, c'est que tout ce qui traîne sur le master est en 192.23 et ce qui va sur le node 01 est en 215. Sauf les trucs particuliers, bah typiquement ce qui concerne le... Ouais. Donc en fait, je pense pas que redémarrer le trafic serve à grand chose. Ouais, alors sachant que c'est la magie de ce que j'avais vu au niveau du describe des nœuds, c'est que derrière, le describe continuait à m'afficher les CIDR par défaut en 10.42 là. J'avais pas la mise à jour. Donc c'est un petit peu rigolo. Et là, c'est pareil, j'ai du 10.42 1.0 là, en slash 24. Bah, Calico, en fait, Calico, il assigne un range en fonction de la densité de pod qu'on prévoit sur les nœuds. Il me semble. C'est-à-dire que si tu définis. Alors, est-ce que j'ai une densité qui est définie quelque part? Il me semble hein, que normalement. Voilà. On peut, à partir du moment où on met 110 pods, 110 pods, il va prendre un slash 24. Si on va jusqu'à 60 nœuds, il va descendre à slash 25. Il essaye de, en gros, de prendre une espèce de multiple de 2 par rapport au nombre d'IP qu'il va prendre et mettre le subnet, le range équivalent. C'est Block Affinities. Oui, bah oui, voilà. Ok. Ah, c'est quoi ça? C'est une CRD ou c'est... Ah oui, c'est une CRD. D'accord, ok. Bon à savoir... Ok. Bon, en tout cas, ça résout pas mon problème qui est que, pour une raison que j'ignore, le trafic n'arrive pas à contacter mon NAS. Et je ne sais pas pourquoi. Et le problème, c'est que... Ah bah... ça. Mmh.
Donc c'est bien le pod qui n'arrive pas à contacter l'IP sur le port 8000. Bah non, je m'étais posé la question hier soir, mais non. Ou alors il y a... Ah! Il y aurait une connerie qui aurait été bloquée. Bah non, parce que j'avais cherché justement les network policies. Et quoi? Putain, les doigts. Et en fait, la seule chose que j'ai, c'est... comment? Une network policy qui concerne l'API serveur, donc pas du tout. Côté NAS, je pourrais le joindre de n'importe où, y compris des nœuds, mais pas depuis le pod trafic. Est-ce que j'arrive à wget un truc public? Alors, si je n'arrivais pas à wget un truc public, il n'arriverait pas à contacter. Les serveurs de Let's Encrypt. Alors, je peux le tenter, hein, mais le truc classique étant, on va faire juste pour rigoler. Voilà, ça marche. Donc, oui, là forcément il me gueule dessus parce qu'il essaye de télécharger le truc, mais ça marche pas. Donc oui, ça fonctionne, tu vois. Ça fonctionne, mais... C'est ça qui est ouf. C'est que là, il y arrive comme ça, mais il veut pas aller taper le... Alors si... Je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais j'ai déjà testé au niveau des nœuds eux-mêmes. J'arrive à contacter le, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure, le master 02, il arrive bien à joindre et j'ai la réponse en LHS. Et on a même fait, alors c'était depuis le node 01, on avait tapé l'IP du service. Si j'arrive à la retrouver. Là, voilà. On tapait cette IP-là depuis les nœuds et ça répondait. C'est encore plus magique, c'est-à-dire que je fais ça, je tape sur le port 8000, alors en HTTP parce que c'est l'HTTP, et j'ai ma même réponse. Et alors je peux l'afficher comme ça, et je prends l'URL, portal, machin, etc. Donc ça correspond à la redirection, enfin c'est une pseudo-redirection qui est faite par l'application, après pour afficher le pod. Donc, wget l'IP du service depuis le pod trafic. Ouais, bah, je pense que ça va être la même si on tente le truc, mais... Alors, j'ai pas de réponse, j'ai pas les entêtes. Mais là, ça marche. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Oh, elle est magique celle-là.
Elle est magnifique. Oula, c'est un vieux Shell, ça. Bah, en fait, c'est surtout. Non, 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 alors attention, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je tape mon nom de domaine et que je passe par Trafic, il essaye de taper du coup sur l'IP en 192.168.1 qui est en dehors du cluster, plutôt que de se cantonner au service, à l'IP du service qui est devant. Et ça, il n'arrive pas à le joindre. Alors que s'il tapait sur l'IP du service, ça marcherait. Et hop! Me revoilà. Le retour de la vengeance. Punaise. Ouais, je vous jure. Du coup, j'ai perdu toutes les connexions. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Oui, on venait de valider que le trafic faisait de la merde à essayer de contacter l'IP en direct et qu'il n'y arrivait pas sans qu'on comprenne pourquoi. Ce que je peux reprendre depuis le début. Alors, le gros résumé, ouais, c'est cassé. Le gros résumé, c'est que je suis une bite en réseau et que c'est pas prêt de changer. Ah oui, du coup, il m'a même pas gardé les commandes. Voilà, donc ça ne marche pas. Le monomaniaque, faux taint. Non, à la limite, je bute un pod, mais je vois pas l'intérêt de. Oui, bien sûr, vas-y, affiche-moi les stats de la carte graphique, je te dirai rien. Et donc au départ, j'étais parti pour faire ça. Parce que je voulais faire un truc. Un truc dans le genre. Sauf que je me souviens plus de l'adresse IP du truc. Je crois que c'est ça. Plus, alors ça va être ça. Faut ouvrir en NI, t'auras plus de problème. Alors oui, sur le papier, ça doit être ça. Mais justement, sur le NAS, j'ai aucun blocage. Ça marchait avant Kubernetes 1.26 et Calico.
Je n'ai pas de network policy qui me bloquerait le trafic en dehors du cluster. Ah, je suis en 55 là, merde. Ok. Ouais, donc on a bien un délire sur les IP en 192, 168, parce que là. Ouais, et je me demande si c'est pas ça le délire. Mais à l'époque où ils étaient en 10 points. Alors, mes pods sont 192, 168 aussi, mais à l'époque où les pods étaient en 10.42, ça marchait. D'ailleurs, je peux tenter éventuellement si j'arrive à le faire depuis un pod. Un point de configuration de Calico que j'aurais zappé du fait de l'avoir installé plus ou moins avec les paramètres par défaut. Parce que si ça merdait vraiment, enfin, en fonction de. Tu vois, j'ai pas de problème à sortir sur Internet. Et ça passe par l'IP en 192, 168.1, 254, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi on aurait des problèmes à router ça. Enfin, on n'aurait pas de problème à router ça pour que ça sorte de la maison. Et qu'on puisse pas aller joindre une autre IP qui est dans le même réseau en local. Parce que là, si je fais ça et que depuis, par exemple, 0,2, je fais un curl query http de point slash slash 192 168 point 55 2 point 2 3 4, ça va gueuler et j'ai une connexion. Voilà. Bon, et puis là, il gueule parce que j'ai donné une mauvaise réponse. Ah, tu penses qu'en fait, que tout ce qui est en 192, 168, il chercherait à le garder à l'intérieur du cluster plutôt que de sortir? Ce qui serait pas complètement déconnant, mais le problème, c'est que c'est pas ce qui a été configuré. Au niveau de Calico, le réseau, il n'est pas en. C'est pour ça qu'il est en point 26 en fait. Alors par contre. Il a réservé un slash 26 seulement sur le 23.0 sur ce node-là. Ce qui est très bizarre. Après, on a les IP en 180, 169, 254. Change et la route par défaut qui renvoie sur la livebox, donc ça marche. Et après, j'ai des 23.
Là, j'ai un 215 en slash 26. Donc, ouais, au niveau des routes. Alors, faut que je zoome un peu, sinon ça va être un peu la galère, mais. Après, peut-être que ça sent la recherche. Si on fait un truc comme ça. Ouais, mais ça, c'est un petit peu ancien, quoi. Alors là, ça parle d'IP pool. Oh punaise, ouais, c'est ça. Le voilà. Ah, bien joué. Mon problème, il vient de là. Bon, alors. Eh ben le voilà. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et ça va me gaver. Ouais. Mais tu vois, fallait aller chercher l'info au bon endroit. Et tu le vois pas dans le routage, hein. Donc c'est vraiment vicieux comme. Du coup, comment je corrige ça? Ouais, bah ouais. Parce que là, je. Est-ce que ça se change facilement? C'est-à-dire, est-ce que je tente de changer le CIDR et de croiser les doigts pour que ça flingue pas tout comme un furieux? Alors, le changer, ça me dérange pas plus que ça. Au début, je me demandais si je pouvais pas reprendre le CIDR qu'on définit par défaut dans 4OS, mais là on risque d'avoir le même problème effectivement que ce qu'on avait avant, enfin que ce qu'on a, mais appliqué au reste de 4OS. Ouais, ça pète tout, mais s'il s'agit de redémarrer ou de redéfinir tous les services, c'est pas la mort en soi. Je peux vivre avec ça, c'est pas un souci. Tu vois, délai des services, il n'y a pas énormément de choses dans le cluster, donc c'est pas la mort. Ce qui est dingue, c'est que ça n'a pas posé de problème d'aller remonter le NFS au niveau des nodes, ça n'a pas posé de soucis. Non, c'est vraiment à l'intérieur du cluster où ça déconne. Je.
Ah, puis en plus, Calico, je ne l'ai pas installé avec Helm. Alors, soit je m'amuse à tout redéfoncer et à tout refaire, ce qu'on fera pas ce soir, hein, parce qu'il fait déjà beaucoup trop tard pour ça. Soit je tente juste de changer le CIDR. Je sais pas trop quoi mettre. Est-ce qu'au niveau des... Est-ce que j'ai un truc qui ressemble à ça? Non. Je vais avoir ça que là. Non, j'ai pas d'IPcalc non plus là. Oh merde. Parce qu'à la limite, si je mets un 10 quelque chose, qu'est-ce que je pourrais mettre en 10 quelque chose qui m'emmerde pas? Parce que... Si je ratais, si c'est pas la bonne fenêtre, ça va pas le faire. Ça marche, ça? Oui, ça marche. Ok. Pourrait éventuellement définir ce subnet là. Bah, le 1042, je l'ai déjà, il est déjà défini par défaut au niveau de au niveau du service 4OS. md/système/4OS.service. J'ai mis un A, je sais pas pourquoi. Il est déjà défini là. Le cluster CIDR, il est déjà défini là. J'ai peur qu'en mettant ça et en... Si j'essaye de faire matcher les deux, que ça pose un gros problème. J'avoue que j'ai pas spécialement envie de jouer au con. Donc pour moi, j'irai chercher un range à côté, quoi. Sachant que là, je mets 10.42.0.0/16. Les services sont 10.43. Alors que, a priori, on est censé rester là-dedans, quoi. Donc, je sais pas, c'est un petit peu. Ça me surprend un petit peu. Mais. Bon, voilà. Oui, je sais, fais pas chier. Du coup, je sais pas trop si je peux éditer l'IP pool. On va aller chercher un truc. Calico update IP pool. On va voir ce qui se passe. Que nous dit la documentation? Nia nia nia, machin, cross-subnet, IP pool définition, jusque-là. Hello uses, donc ça c'est oui, on laisse par défaut, j'imagine. IP, ça doit être le. Oui, ça c'est le mode par défaut aussi. Block size, not selector, on s'en fout. A priori, on peut l'éditer. Le problème, c'est que je ne sais pas trop ce qui se passe quand on l'édite. On avait vu à quoi il ressemble. Not selector all, not outgoing true. IP mode never, d'accord. VXLAN cross subnet. On y va comme un sagouin. Et on voit ce qui se passe.
Je pense que ça va me péter la gueule, je sais pas pourquoi. Je sais pas quel pote serait susceptible de nous. Non, ça va pas être ça. Peut-être celui-là. Toi, déjà, je te ferme. Ah oui, c'était hier. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? IP pool CIDR cannot be modified. Bon. Eh ben, on va créer un deuxième IP pool. Allez. Du coup, on va se déconnecter de ça parce qu'on n'a pas besoin. On retourne dans. Je vais aller retourner là-dedans. K3S plateforme, Kubernetes. Un dossier Calico dans lequel j'ai rien dedans. Du coup. Get. IP pool. Ah oui, non, faut que je fasse gaffe. Ouais, non, je vais pas. Parce que l'idée derrière, c'est que moi, tout ce que j'ai comme configuration, je vais le garder. Faut que je le garde. Bien comme il faut, donc je vais juste récupérer le truc comme ça. Plutôt que de faire une sorte de modif à la volée comme un furieux, je me fais mon fichier et après. IP pool. YAML. Hop. Voilà. On fait ça comme ça. On enlève les morceaux qui servent à rien. Ensuite, on dit. Lequel IPv4 adresse pool machin, block size 26, on s'en bat les couilles. Là, on met 10.69.00 slash 16. On fait ça. Du coup, on fait ça. Ouf. Hop là. Allez, il va vraiment être temps d'aller dormir. Donc là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit rien de plus. Lui, il nous dit quoi? Tada. Alors. Si je tente de supprimer l'IPv4, je tente de faire ça. Et donc là, au niveau de Calico, qu'est-ce qui se passe? Là, il a trouvé, il m'a collé les 10. Les 10.69. Du coup. C'était quoi le tac tac tac? Et là, le problème, c'est que tous mes potes sont 192, 168, du coup, ça risque de pas bien se passer.
C'était quoi déjà l'objet qui permettait de... C'était Block Affinities, c'est ça. Ouais, donc là, il m'a gardé les deux du coup. Oh bah il y avait peut-être de la doc à faire. Non, tu vois, hein. On dit que le pool d'IP Calico idéalement doit être à l'intérieur du Kubernetes cluster. Donc en fait, il faudrait que je mette un... Après, bon, ça marchait comme ça, mais... Ça n'affecte pas le réseau des pods existants. Oui, mais le but du jeu, c'est quand même... Ok. Le but du jeu, c'est quand même de supprimer les vieux pods. D'accord. En vrai, j'ai pas besoin d'aller taper jusqu'à... Un reboot du node, carrément. J'avoue, ça pourrait le faire. Ouais, après, tant que j'ai pas reboot les deux, ça va. De toute façon, ça va être dans un état un peu bâtard. Ah, tu vois, là, il n'a pas aimé, hein. Il a tenté de l'exécuter sur le node 01. D'accord. Quoi? Je me souviens plus. Non, ça va pas être ça. Ça y est, je ne peux plus m'en souvenir.
J'en ai un autre, c'est quoi si ça? Ok, comme ça t'en as un troisième. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Te reste 7 minutes pour tout régler. Oh non, 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 si c'est pété, on arrête là. Ah, je vais pas me formaliser plus que ça. Hein. Alors là, pouf. De toute façon, il va pas voir comme il faut. D'accord, donc il est toujours là, mais pour l'instant il répond pas. Ok. Merde, pas ce que je vais faire. Hop. Bon. Décidément. Il va encore me faire le coup du je reboote pas et je m'éteins, c'est ça? Pour l'instant, je vois les deux loupiottes parce que j'ai pas encore tenté de les. Ouais, là il est en train de gueuler parce qu'il veut pas. Il va quand même pas m'avoir refait le coup. Ah non, c'est bon, là cette fois il a redémarré. Trente-cinq secondes, node ready. Ok. Bah, du coup, on va redémarrer le master. Hein. De toute façon, hop. Oh, les gros doigts. Hop. Ok. Bon, cette fois, j'ai bien. Hop. Bon, puis lui, de toute façon, il va arrêter de répondre à un moment donné. Mais en tout cas, no API serveur connexion. Ok, parfait. Ouais. Lui, c'est pas la peine de lui en demander trop, du coup. Ça, ça fait ça. Ça, ça fait ça. Okay. Après, là, ça va être pareil. Oui, c'est ça. Il va mettre un peu de temps hein. À rendre la main.
Ouais. Ouais, ils veulent vraiment idéalement buter tous les pods. On va voir ce qu'il nous dit. Pas démarré encore lui. J'ai deux loupiottes. Un peu loin. Ah, c'est bon. Hop. Alors. Ah, j'ai encore des pods en 192, 168. Hein. Ça va pas le faire, ça. Oulah. Oui, non, d'accord. Okay. Il est en train de tout. Il est en train de tout remettre d'aplomb. On va le laisser faire le ménage, je pense. Une fois qu'il aura fini. Même quelques restarts qui traînent. Hein. Alors, c'est quoi son problème? Error running server, enable load config map. Et lui, il m'a fait la même, non? Non. Le problème, c'est qu'il y a déjà un pod. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il m'a fait un délire avec un pote qui ne tournait pas sur le bon serveur, sur le bon serveur à tous les coups. Lui, je vais le dégommer aussi, comme ça. Il va redémarrer comme il faut. Avec un peu de chance. Hop. Je sais plus si j'avais mis des liveness readiness, oui. Oh! Oula. Ah oui, si, oui, c'est normal. Oh, c'est affreux comme syntaxe. Oh, la vache. Ah. Il faut pas avoir peur la première fois qu'on dit ça. Hein. Du coup. Eh ben du coup, tout a l'air debout. Alors, est-ce que cette fois, ça va être le retour, le bon truc? Alors non, ça c'est celui qui va pas. C'est celui-là qu'on voulait. Et ben voilà. Bon, au final, ça, je pensais que ça allait prendre 20 minutes, hein, cette histoire de réseau pour le NAS. Et moralité, ben, ça aura fait les 2 heures. Donc, ben, tant pis. Il n'y aura pas de démonstration des network policy ce soir. Ouais. Mais ça aura été quand même sportif. Je veux quand même revalider. Alors du coup, c'était quoi? C'était parce que je suis mauvais. Oula, raté. Alors. Pourquoi j'arrive plus à accéder à afficher les. Bah alors? Qu'est-ce qu'il me fait? Ça marche?
Ah, l'original, celle-là. Voyons. Ok. Bon, je vais comprendre. Ah, c'est bizarre, il met encore les blocs Affinities en 192-168. Alors que. Oula, oui, bon, ça je. Alors que l'IP pool, on n'a que celui-là, quoi. Du coup. Je pense que je vais les dégager. Par principe. Voilà. Ça, on est sûr d'avoir que les 1069, machin, etc. Bon, et eh ben voilà, ma foi. Compliqué, cette histoire. Compliqué. Et donc, ce qui veut dire que depuis le début, tout ce qui était service, etc., service, définition des endpoints, etc., fonctionnait bien depuis le début. Ouais. Alors, base propre, ça veut surtout dire que il faut faire très attention si on suit la doc de Calico comme je l'avais fait à l'origine. Au niveau de la doc, là. Par défaut, bon, ça c'est l'installation de K3S, mais après ils nous disent coucou, installe Calico Operator et tu fais kubectl applique Tigera et puis après tu appliques les custom resources. Et quand tu fais ça, bah du coup tu as tous les trucs par défaut. Tu as tous les trucs par défaut. Donc. Ouais, bah oui, bah. Effectivement. Voilà, pas un suivi. Bon, après, à l'intérieur du cluster, ça posait pas de problème, hein. C'est à partir du moment où on a besoin de communiquer avec quelque chose qui est à l'intérieur du réseau local. Donc bon. Effectivement, c'était marqué.